j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de manger des recettes 100% Instagram. J'espère que mes frères vont m'aider parce que moi, je sais pas trop faire la cuisine. Let's go! Pour le petit déjeuner, on va se faire un cookie géant. Aïe, 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 tu te sens qu'on est capable de le faire? Ouais. On est capable. Donc, en plus, donc comment on va le faire? Alors, ils mettent 3 œufs, ils mettent du sucre, du beurre de cacahuète. En plus, je kiffe le beurre de cacahuète. Ok, après, je pense qu'ils vont mélanger. Ok, c'est mélangé avec le fouet. En plus, on a un fouet, c'est carré. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? La farine. La farine. Ok, ça va, ça a l'air simple pour l'instant. Après, tu retouilles. Les pépites de chocolat. Tu touilles. On mélange bien comme il faut. Il faut que ce soit un bon mélange homogène. On prend une première partie. On met du Nutella. Après, elle a recouvert et ça va au four. On va commencer par œuf. Aujourd'hui, vas-y, je vais la laisser faire. On casse un œuf chacun, ok? Ok, vas-y. Donne-moi un œuf. Tiens. Merci. Tu sais comment on casse les œufs? Oui, je sais, tu tapes sur le truc. T'es malade. Non, on fait jamais. Je voulais pas faire ça. Casse. Mais c'est pas là qu'il faut le casser, c'est là! Impeccable. Alors ensuite, on prend le sucre. Le sucre qu'on met dedans. T'as fait n'importe quoi là? Parce que là, faut mettre le beurre de cacahuète. Là, on va être généreux dans le beurre de cacahuète. C'est 7, 8, 9, 10. Incroyable, les gars. 80 grammes. La bonne bouillie. Non, là, je vais touiller avec le fouet. Faut touiller avec le fouet. Ah ouais, je suis un clochard, moi. Je vais touiller avec la cuillère. C'est super bien mélangé. Je suis fier de nous. On va mettre la farine. Allez, je vais le faire. Et les pépites de chocolat. C'est moi qui fais ça. Ça. C'est le chocolat, c'est... Bah oui, on est tout, évidemment, t'es question. Y'a pas beaucoup. Bah, grâce à ma mère, on a tout rattrapé la pâte viroir. Bon, en fait, on a juste rajouté un œuf et un peu de lait. Et là, c'est magnifique. Donc, passe-moi la cuillère. Eh non, je voulais le faire. Viens voir. Il faut mettre la moitié. Je veux pas te laisser, Myriam. Là, c'est trop compliqué. On va mettre la moitié. Magnifique, les gars. Une petite piscine de gâteau. On va rajouter le beurre de le Nutella, faut que ça recouvre tout le dessus. La dernière partie, après on va l'envoyer au four, on vient recouvrir. Et là, on voudra les pépites. Ouais, avec les pépites de chocolat, on vient recouvrir. Comme ça. Pépites, tu les mets pas comme ça. T'en mets un peu dans ta main et tu les dispatches de partout. Voilà, ensuite on va envoyer ça au four et go pour déguster. A few moments later. Le gâteau vient d'arriver. Po. Franchement, je suis super content. On va tester s'il est comme dans la vidéo. Déjà, il est pas trop dur, pas trop mou. Je crois que c'est un de mes premiers gâteaux, genre comme à la boulangerie, qui réussit. Oui. Regarde-moi ça. Super bien cuit. Est-ce que la pâte à tartiner dégouline? Incroyable. On va goûter, s'il vous plaît. Super. C'est proche, je dis que c'est super bon. Attends, ça c'est pour une personne. Quoi? C'est pour une personne. C'est super bon parce que quand t'achètes ça à la boulangerie, c'est gorgé de sucre. Là, il n'y a pas trop de sucre. On sent juste le chocolat, le beurre de cacahuète. Franchement, si vous voulez le refaire celui-là, validé à 100%. C'est pour une personne, ça. Hein. C'est une par une personne. En fait, le jour de enchaîner 5 ou 4. Ouais, il était chaud. Ouais. Oh là là là. 3 là, 3. Allez, donne à Omar un peu, donne à Omar. 5. Oh, ah, du malade du cœur. Donne à Omar un peu, donne à Omar. C'est un bourré lui, c'est un bourré. Ça, les gars, c'est un bourré, Omar. Qui, moi? T'es un bourré. Moi, bourré. Vas-y, fais un geste. T'as vu, il y a des bourrés qui rentrent dans les poches. Mets-la moi, je vais faire des choses d'essentiel. Non, en l'air. Le geste des anciens. Le bourré. Oh, voilà. Toxico. Maîtrise. Après, ils jouent en Asie, c'est compliqué en Asie. Oh, Toxico. Omar, t'es pas bien là. Il y a un petit geste facile. T'as juste, tu jongles, tu la bloques là, et tu fais juste ça. C'est le plus facile. Voilà, maintenant tu la bloques, bloque. Tu la bloques. Jette-la à la main au pire. Ça, c'est le geste. Oh non, c'est malaise, zizi. Oh là là. Vas-y. Viens. Vas-y. Non, ça y est, c'est fini. Repas du midi, ça va se partir en mode tortilla. Ultra simple à faire, mais regardez comment c'est une dinguerie. Elle a mis deux émentales, deux dindes au grille-pain. Ça ressort directement. Et ça prend une minute à faire. Et ça a l'air super bon, regardez.
Regardez le fromage, comment il dégouline. Oh là 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 là, on va faire ça. Et pour le dessert, on prend deux œufs du lait. Vous allez voir, c'est une masterclass le dessert. On mélange, on met dans une assiette. Tu trempes bien le taco, il faut bien qu'il soit imprégné. Ensuite, elle va le mettre à la poêle. Il faut bien cuire les crêpes, comme les cheese nan en mode. C'est un peu comme les cheese nan, il faut qu'il y ait des bulles. Tu découpes, tu mets de la crème glacée à la vanille. Et ensuite, tu mets le fruit que tu veux. Elle a mis des fraises. Nous, je pense qu'on va mettre des pommes parce qu'avec Myriam, on kiffe les pommes. Et on finira par du sirop de chocolat. Let's go! Je te laisse faire tout à 100%. Yacine qui nous a rejoint en train de faire son quinoa. Vas-y, deux tranches de dinde, impeccable. Je l'aide pas, les gars, vraiment, je l'aide pas. Deux tranches de fromage. Voilà. Juste le pliage, je sais pas si tu vas réussir. Une, deux. Plie bien le côté de gauche. Celui-là ? Ouais, plie-le bien. Non, en mode plie-le bien, laisse pas d'espace, tu vois, resserre bien. Ouais. Tu refermes. Vas-y, maman, si tu peux nous aider pour le grippin parce que. Ouais, vas-y, mets le grippin, mets le. Voilà. Voilà, il est bien rentré. Et après, on fait comment ? Là, il va s'enlever tout seul. Il va sauter tout seul. Chaud. Il va sauter comme un pétard. Voilà. Ça va péter. Papa. Les gars, je crois que la recette, c'est la douille. Regardez, c'est en train de cramer. On va attendre que ça saute. Ma mère, elle a dit que ça saute tout seul. On va l'enlever, les gars, parce que je pense que ça saute pas. Il est trop gros. C'est un tronc. Vas-y, Myriam, enlève-le. Voilà. Je fais. Mais il est même pas cuit, frère. Il est pas cuit, maman, c'est normal. C'est pour le pain, ouais. C'est pour le pain. Là, les gars, des fois, c'est le problème de Instagram. Ils aiment trop mettre des machines bizarres. Pourquoi ne pas faire sa recette dans une machine à tacos? Pourquoi un grille-pain? Voilà, donc faites attention à Instagram. Vas-y, tu peux ouvrir pour voir. Voilà. Ça vient d'arriver. On va regarder si ça fait comme la vidéo. Clairement, ça a l'air super bon, mais il n'y a pas le fromage fondant, t'as vu? Je vais laisser Myriam goûter, tu vas me dire ce que t'en penses. C'est aucune sauce, les gars, c'est la première fois qu'on mange aucune sauce. Tu dis vraiment tes ressentis pour voir si c'est de la douille ou pas. Franchement, pour un tacos comme ça sans sauce, ça sent rien du tout. C'est trop bon. C'est trop bon. Ok, on valide. Je vais te proposer un dessert là, sucré. Tu vas péter ta tête. Super simple. On commence par mettre deux œufs, okay, et du lait. Un œuf chacun. Vas-y, un œuf chacun. Toi, t'es la reine des débiles mentales. Tu rajoutes pas de lait? Tiens, je te laisse mélanger. Je vais mettre la poêle à chauffer. C'est bon, maintenant on va tremper le tacos à l'intérieur. C'est une crotte de nez. C'est une crotte de nez, du poussin. Vraiment, on vient mettre notre pain à tacos dans la poêle. Poêle. Voilà. C'est bizarre. On va mettre ça à chauffer. Donc ça chauffe, regardez la masterclass que j'ai trouvée. Je vais montrer la glace. On va mettre cette glace là, je pensais même pas qu'elle existait. Toi, en fait, tu réfléchis avec tes doigts de pied, pas avec ton cerveau, en fait. Je te dis, montre la glace, regarde, tu montres quoi? Montre la marque. Voilà, sneakers. Mets-le au micro en 10 secondes. Vas-y. Surveille, hein. Surveille qu'elle explose pas. Comme ça, elle est bien fondante. Oh, il y a des bulles, comme dans la vidéo. Eh, hey, mais ça existe en iPhone 1? Je sais pas. Regarde, il y a des bulles, donc là, du coup, on fait comme la vidéo. On vient trancher. Tu vas pas mettre la glace dessus? Si. On prend du sneakers. Et je viens voir. Ouh là là, ouais, viens par ici. Je crois qu'il faut en mettre partout. Sauf. Faut étaler ? Ici, ouais. Faut étaler comme la vidéo. On va étaler bien partout. Regardez sneakers. Ensuite, elle a mis des. Ouais, nous, on va mettre des pommes, pas des fraises, qu'on préfère les pommes, nous. Petit pliage, normalement, c'est tac. Ensuite, tac. Et on vient refermer la dernière partie du zingouingouin. Oh lolo, la crêpe! Waouh! Regardez la crêpe! Pas! Et on va mettre du petit sirop de chocolat. C'est toi qui as fait ça, Younes? Ouais! Ouais! T'as trop la rage! Ouais! La crème qui sort. C'est pas de la crème, c'est de la glace. Oh là 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 là, masterclass. Alors tu mets combien sur 10? 10. Aïe aïe aïe, validé. Omar, j'apprécie. Allez, allez, voilà, accroche-toi à la vie. C'est bien. C'est dur. Mais tu sais là, ça fait 5 minutes que je soulève.
C'est un truc de ouf là, là. J'ai pris ce poids là. Tu veux devenir musclé? C'est bien, moi j'apprécie les trucs comme ça. Tu sais faire des pompes depuis? Bah oui. Fais voir vite fait. Voilà, j'apprécie. À 42,5 kg plus la barre grise, je sais pas fait combien. Allez mec, il n'arrive pas. C'est grave lourd hein. Allez, 1, 2, 3, 4, regardez sa tête. Ceux qui n'aiment pas Yacine, la profiter, elle est en train de souffrir. Dernier repas, on va faire un cordon bleu maison parce que c'est le repas préféré de Myriam. Donc pour ce qui est de la recette, on va devoir prendre une tranche de dinde, la mettre, l'enrouler dans du fromage emmental. Ensuite, on prend des biscottes, on écrase avec notre main, bien évidemment, notre main bien crado, bien dégueu. On obtient une sorte de poudre et avec la poudre, c'est ça, ça va être la chapelure. On va mélanger des œufs, on va tout simplement mettre la dinde dans de la farine, puis ensuite dans les œufs et pour finir dans la poudre des biscottes qui sera la chapelure. Et ça nous fera tout simplement notre cordon bleu qu'on mettra directement après à la poêle. On va tester ça, c'est parti. Allez crado, allez vous laver les mains s'il vous plaît. Allez vous laver les mains. C'est Instagram. Ok, donc là on doit déposer le jambon sur les tranches de dinde. Tac, comme ça. Mais non, d'abord il faut découper les biscottes. C'est comme ça, menteuse. Ensuite on prend ça, on les met à l'intérieur. Tac, tac. On doit refermer le tout histoire de faire un sort de sandwich. Oh. Ok, donc il faut mettre des cure-dents pour que ça tienne selon Hervé Matou derrière la caméra là. Je suis pas Hervé Matou. Non, je me fais engueuler. Donc tac, on met un cure-dent là comme ça, un deuxième cure-dent et un truc. Est-ce que c'est bon Hervé Matou? Non, c'est pas très bon parce que là c'est pas joyeux anniversaire, c'est pas des bougies. Et ouais, ah. En fait, il faut les faire sortir des deux côtés. C'est-à-dire là. Tu les enfonces. Ah, genre. Voilà. Ça, c'est la meilleure étape de la vidéo. Prends la chair humaine, on la met d'abord dans la farine. Yacine le cuistot bien. Histoire de bien imbiber. Maintenant, on va l'appeler Yacine cuistot. Yacine cuistot. Ah ouais? Tac. Ensuite, on imbibe dans l'œuf. C'est étape par étape. Oh, ça marche pas mal. Et là, c'est mis de l'huile d'olive au milieu. On met ça dans l'huile d'olive. Là, il faut cuire tout simplement. Et on aura le résultat. Pendant la cuisson, c'était sûr qu'elle pouvait pas s'empêcher de faire. Et ça, c'est recette Instagram. Comment on fait pour éviter le gaspillage? Ça, on donne aux pigeons. Non, les pigeons, je crois, ils mangent ça en vrai de vrai. Non, ils vont s'étouffer. Ça y est, c'est prêt, les gars. Regardez le résultat. On va ouvrir la bouteille de coca. Je suis trop content. Attends, avant d'ouvrir la bouteille de coca, depuis tout à l'heure, elle secoue la bouteille pour faire cette blague. La tête de homme, tu démerdes, ça saute partout. Ton cordon bleu, il a l'air incroyable, ça. Tu peux ouvrir la bouteille de coca parce que c'est un coca framboise, on voudrait tester pour la première fois. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Quoi? J'ai fait quoi? Toi, je suis con, quoi. Non, t'es pas con. Est-ce qu'il faut le mettre à côté de sa tête? Oui, hein. Non. Mais si, pas si. Oh non, zut! C'est moi qui ai inventé cette technique, c'est pas toi. Hein. Cette folle. Bon, laisse le gaz. Regarde ton cordon bleu comment il est. Découpe-lui et fais-lui goûter. Parce que j'ai peur pour le couteau. Putain, il a l'air incroyable. Hein. Vas-y, on va s'approcher les frais. C'est pour moi la meilleure recette d'aujourd'hui. Franchement, je pense que t'as raison. On va voir si ça dégouline pareil. Oh wow. C'est un cordon bleu. Hein. Regarde ici le fromage. Un vrai cordon bleu. Regarde ici, regarde. Incroyable, ça fait lui une petite parce qu'elle a une petite gorgée avec le petit coca framboise. Bon, ça reste il est bon. Goûte le coca framboise, tu me dis c'est quoi tes nouvelles. Je rigole. On sent la framboise ou pas? Tiens, vas-y, tu peux goûter. On sent trop, ouais. C'est tu trop prends bon. Ça, regarde, tu prends ça. Okay. Mais je vais manger ça, ouais. Laisse-la, fais comme un grec, frère. T'as raison, t'es une sauvage. Bismillah. Oh là là là. Attends, avant de croquer, je vais zoomer. Oh là 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 là. Attends, bouge pas. Un micro. Vas-y. J'arrive pas à croire, Yacine, que t'as fait un cordon bleu maison. Ouais, c'est comme ça, on est trop fort. Hein. Incroyable, vraiment. Non, mais vraiment, Myriam. Aïe, aïe. Goûte ça avec la chapelure. Je suis vraiment content, Yacine. Ça, c'est mon frère, ça. C'est mieux que le cordon bleu ou c'est pareil? Les deux, c'est pareil. Ah ouais? Et du coup, la biscotte, là, ça donne pas un goût chelou, ça correspond. Vas-y, moi, je m'en suis fait un, je le mangerai après. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Wouah, la sauvage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est pas déjà fait. Nous vous laisse là. Ciao.